All right. And yeah. So basically, at first, like, you ended up doing all the concept job and the first. Yeah, yeah. So they restored that. Yeah. That they wanted to take away. I just think it was ridiculous. But I think the mother would argue about photographs and everything. Mm. If it wasn't somebody relatively close, it probably was somebody very close. Le bateau de Fontenoy, a poem from Voltaire. Quoi? Du siècle passé, le fameux satirique aura chanté du Rhin les bords ensanglantés, ses défenseurs mourants, ses flots épouvantés. Son dieu même, en fureur effrayée du passage, cédant à nos aïeux son onde et son rivage. Et vous, quand votre roi dans des plaines de sang voit la mort devant lui voler de rang en rang, tandis que de Tournai foudroyant les murailles, il suspend ses assauts pour courir aux batailles. Venez le contempler au champ de Fontenoy. Ô vous, redoutable Bellone et Minerve chérie, pour couronner Louis, enflammez mon esprit du feu de nos guerriers, peignez de leurs exploits une éternelle image. Vous m'avez transporté vers ce sanglant rivage. J'y vois ces combattants que vous conduisez tous. Colbert et Duchella, tous nos héros enfin. Mesdames, Messieurs, en vos titres de qualité et surtout, cher Président, je voudrais simplement, au nom de l'administration communale, regretter donc l'absence et excuser en tout cas l'absence de notre bourgmestre qui a été retenu par d'autres obligations et souhaiter la bienvenue aussi à nos amis d'Irlande. Je ne vais pas être. Monsieur Trudeau, Messieurs les Présidents, Messieurs, Mesdames, en vos titres de qualité, puis je voudrais aussi faire un petit clin d'œil. À tous ces amis irlandais, tous ces amis qui sont même venus des États-Unis et qui sont venus spécialement aujourd'hui. Merci. Monsieur le conseiller Lord Mayor de la ville de Dublin, Monsieur le consul honoraire de France, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux et représentants des associations patriotiques, Mesdames, Messieurs. The ambassador from Mr. Bourque and Mr. Le Maire.
of all, a poem. A poem by Bartholomew Dowling. Ce poème s'appelle La bataille de Fontenoy, The Battle of Fontenoy. By our campfires rose a murmur at the dawning of the day, and the tread of many footsteps spoke the advent of the fray. And as we took our places, few and stern were our words, while some were tightening horse girths and some were girding swords. The trumpet blast has sounded, our footmen to array. The willing steed has bounded, impatient for the fray. The green flag is unfolded, while rose the cry of joy. Heaven speed, dear Ireland's banner, today at Fontenoy. Thank you very much. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. As we know, as we have heard, over 260 years ago, hundreds of Irishmen, far from home, far from kin, lost their lives on this spot. 100 years ago, their bravery and courage was remembered in the erection of this beautiful Celtic cross. As Ambassador of Ireland, I am most moved to be here at the dawning of the 21st century to join you in a ceremony which shows that those brave young men and their patriot Irish leaders have not been forgotten. Indeed, they have become an integral part of what we have come to regard as Ireland's place in the evolution of Europe. Boyhood's fire was in my blood. I read of ancient freemen from Greece and Rome who bravely stood, 300 men and 3 men. And then I prayed I yet might see our fetters rent in twain, and Ireland long a province be a nation once again, a nation once again, a nation once again. And Ireland long a province be, a nation once again. The speech. The Monsieur le Lord Maire Taribo de Dublin will fait son discours. Deputy Mayor, the Council of France, Your Excellency, Ambassador of Ireland, Mr. Trudeau. I would like to thank Alan Trudeau and the Belgian History Association at Tricorn for their invitation to commemorate the 100th anniversary of the inauguration of the Celtic Cross of Fontenoy. Je voudrais tout d'abord remercier M. Alain Tripot, l'Association historique de Tricorn, pour leur invitation à commémorer le 100e anniversaire de l'inauguration de la croix celtique de Fontenoy. For me, it is a great honor to be present at this ceremony in Fontenoy and the country of Tournai. I am proud to be following in the footsteps of my predecessors, Mayor Hutchinson, of whom I claim lineage going back 100 years, and Mayor Nannetti, who attended the inauguration of this Celtic cross 100 years ago to this day. C'est un grand honneur pour moi d'être présent à cette cérémonie de Fontenoy et dans la région de Tournai. Je suis fier de suivre les traces de mes prédécesseurs, le maire Hutchinson et le maire Nannetti, qui assistèrent à l'inauguration de la croix celtique il y a 100 ans aujourd'hui. Hommage mérité au courage déployé par la brigade irlandaise lors de la bataille de Fontenoy. Je voudrais rendre hommage à M. Anthony Scott, le fameux architecte qui conçut la croix celtique, et aussi à la Société de littérature irlandaise qui lança avec enthousiasme en 1905 la souscription pour ériger ce mémorial. La croix celtique, qui fut sculptée à Dublin par les trois frères Thompson, est un profond rappel de l'histoire commune que nous partageons. The history of Fontenoy has strong resonance in Ireland, with a number of GAA, that's our Gaelic Athletic Association, teams are named after the battle. In Dublin, we have the Clan na Gael Fontenoy Club. Incidentally, in 1747, the Marquis de Lestange recorded that members of the Irish Brigade met in Fontenoy. They held a hurling match. In County Tipperary,
there survives an old song which tells what happened, then entitled The Brigade's Hurling Match. L'histoire. Cinq arrière petits enfants d'Anthony Scott sont présents aujourd'hui. Les soldats, Jean, Deirdre, Martine et moi-même, qui m'appelle aussi Jean, à savoir un architecte, deux ingénieurs, un diplomate et un bibliothécaire. Et il nous donne le grand plaisir de vous rejoindre ici à Fontenoy, 100 ans après l'érection de l'armée. Roi irlandaise de Fontenoy, qui a été conçu par notre ancêtre Anthony Scott. Permettez-moi maintenant d'évoquer un peu l'histoire d'Anthony Scott. Il est né à Iski, dans le comté de Sligo, au nord-ouest de l'Irlande, à côté de l'océan Atlantique, en 1846-47. L'autre côté, c'est la face arrière. Par ailleurs, il y a quelques années, on a continué le chemin dans le mauvais sens. On dépose donc à l'arrière, ils ont déposé vers l'avant. In the exhibition of Tournai, you can see the traces of the monument of the front of the elevation is turned to the west. The right elevation. Should a fever fall,
nation for another. The great poet Keats was one of the founders of the Irish Antiquary Society and president of another great poet, another great poet. Avec ceux qui vinrent ici il y a longtemps, mais aussi avec ceux qui sont ici en Belgique. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont travaillé à travers la guerre et la paix à préserver ces régions si sacrées à la mémoire des Irlandais exilés et qui ont combattu pour ce qu'ils croyaient être leur juste cause. Vous êtes cordialement invités à une réception à 11h au musée d'art de Tournai à la rue du Roc-Saint-Nicolas, offert par la ville de Tournai. Regarde à vous. On fait les rangs. That was the old Much younger now, but it's lovely just to see him playing the instrument there. Do you remember Jimmy at all? No. I wouldn't have known him. Such a fan was the monument, at the grave now. It's one at the grave where T has her. She's doing something with her hair. Yeah. You know, she's actually kind of doing that with her hair. Oh, it looks like she's saying, "You've got to smile for the camera, John. Otherwise, you'll be looking very dour, and you'll be caught on camera." Smile. Not drunk.
your story. It's actually my finger. I was there and I pressed the button by accident. Yeah, I put sure. it. Sure. That's a good one. Obscenity, yeah. Well, I words like screw and hardcore. This one is very good. It's great. With olives, you've got it. That's okay. Yeah, more olives. The standard one, that's right. With the standard one that has lemon, you put olives in, yeah. La salade.